Allô SF. Cocorico, comme on dit dans le jargon, mes salutations comme je dis plutôt dans mon jargon, et bienvenue pour ce clip shot, comme vous l'avez certainement compris, bah, plus ou moins sur le thème du 14 juillet, parce que si vous n'êtes pas trop inculte, vous savez que le 14 juillet c'est un peu le jour justement Cocorico, hein, la France elle a fait un petit peu des siennes, et donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion, vu qu'en plus le truc qui se passe le 14 juillet c'est souvent des feux d'artifice, donc ça pète un peu de partout, je me suis dit on va lier un peu ces trucs là, et donc on va... Forcément, on est sur Halo CF, donc ça va être du contenu et du gameplay francophone. Donc là, on est dans le thème un petit peu cocorico. Et pour le coup, ça va être un peu le thème des explosions. Voilà, des armes lourdes, l'artillerie lourde. Donc bah, sans plus attendre, on va y aller, hein, pour célébrer à notre manière sur Halo CF cette journée de la Révolution française du 14 juillet. Et donc c'est parti pour un clip shot spécial artillerie lourde. Et donc c'est parti. Ok, ça commence avec Broken Prom qui a entendu le gars de la partie qui a dit « Mais Raigun dans 10 secondes, tu vois ?» Parce que oui, je vous spoil, je suis un mec comme ça, je vous spoil. Déjà, il fait jouer une grenade dès le début, enfin pas dès le début de la partie, mais du clip. Double frag même d'ailleurs, pour être précis. Il prend le Raigun et ah voilà, triple frag, il va s'arrêter là. Mais non, il s'arrête pas là, il envoie en là-bas. Il fout à la chaîne sur le coin de la tronche. Bon, malheureusement pour le Kelturi, ça n'est pas possible parce que le mec s'est barré trop vite. Mais voilà, c'est un bon début, c'est un début correct de clip shot avec un à la chaîne qui passe bien, qui passe bien. Black Town qui lui pour le coup est vraiment en début de partie. Hein, là on le voit bien au score et tout, début de partie. Il le loupe au tir de roquette, il tente un tir de loin avec le deuxième tir qui lui restait et ça passe. Ça passe, triple frag, malheureusement pas à la chaîne avec le mec à la fin, mais déjà le triple frag tel qu'il l'a fait, ça passe très très bien. Entre tue sur Halo 4, et là on enchaîne un peu tous les Halo, et ça me va tout à fait bien, je trouve ça très très cool, qui a donc le lance-patate, et donc qui est déjà au double frag, il cherche un peu tout le monde, il voit un mec arriver, boum, agression, triple frag, pour l'instant il ne loupe aucun tir, hein, à la chaîne directement comme ça, avec le pistolet, le lance-patate, bah oui, ça arrive pas à tout le monde, mais lui ça arrive, il est très content. D'ailleurs, il est tellement content qu'il nous relance un deuxième clip directement, toujours sur Halo 4, avec un premier mec qui se fait au BR, il sort son Raigun, hein, lui aussi il veut montrer qu'au Raigun il sait faire des choses, à savoir un double frag, mais il s'arrête pas là, triple frag, il voit que c'est le bordel mais il se débine pas, il lui tire dessus, il meurt peut-être effectivement, mais quand même à la chaîne, donc c'est plutôt correct. L'unique Manux, on enchaîne vraiment tous les Halo, là c'est du Halo 2, lance-roquette, hein, donc vous doutez bien que le clip va être au lance-roquette, il voit du monde qui se rassemble, il se dit bah d'accord, merci de vous être rassemblé, quoi, c'est un peu comme une photo de groupe, tout le monde s'est rassemblé, bah allons-y, triple frag en un tir, ok, d'ailleurs on voit qu'il est un peu mode. Oh, ok, c'est cool. Bah oui, il a le droit d'être content. Hein. Allez, Raiden City maintenant qui est sur le 3 pour terminer. Donc il s'enchaîne pour un premier mec, puis un deuxième mec en headshot avec le sniper. Après le double frag, hop, le triple avec le laser et le à la chaîne avec le tir de sniper. Tout ça enchaîné, je dirais, parfaitement. Enfin, c'était extrêmement bien enchaîné. Et avec deux armes lourdes différentes. Parce que voilà, lui s'est dit, tout le monde a sorti une arme lourde unique, entre guillemets. Lui s'est dit, je vais sortir deux armes lourdes parce que je suis comme ça. Parce que je suis comme ça, parce que j'ai l'écrou. Et parce que oui, c'est pas nouveau, hein, comme à l'accoutumée. Les gens qui nous envoient des clips sur nos clipshots sont des gens qui ont tendance à avoir pas mal la dalle. Et je les en remercie parce que ça donne lieu à des clipshots tout à fait sympathiques, tout à fait convenables. Et donc, bah, maintenant, moi j'ai été rassasié personnellement. En termes d'artillerie lourde, on est quand même assez correct. Alors bien sûr, il n'y a pas eu toutes les armes lourdes des Halo. Mais je pense qu'est-ce qu'on a eu, on a déjà un... Ça peut au moins, au minimum, servir d'amuse-gueule de bonne entrée, si ce n'est même de plat de résistance, comme on dit. Je pense. En tout cas, c'est mon point de vue. Chacun se fait sa propre opinion, bien entendu, je ne suis pas sectaire. Je vous embrasse très 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 fort et je remercie donc tous ces joueurs de nous avoir envoyé leur clip pour ce clip shot et je vous invite à faire de même si ce n'a pas déjà été fait ou si vous en avez fait des nouveaux depuis la dernière fois, hein, les deux fonctionnent, vous connaissez les bails sur la Xbox avec ce gamer tag à l'écran, sur notre Facebook ou sur le formulaire dont le lien est dans la description. Et en parlant de la description, n'oubliez pas que vous pouvez aussi rejoindre le Discord et le Twitter à partir de la description, donc vous avez vraiment de quoi faire même après cette vidéo là, vidéo qui touche d'ailleurs à sa fin parce que je vous fais plein d'amour sur vous, plein de bisous et à la prochaine, enfin ou même, comme dirait l'autre, à l'eau prochaine, ciao Bambino et...